suis le docteur Philippe Després, je suis pédiatre réanimateur, responsable du service de pédiatrie générale au CHU de Guadeloupe. Tout ce qui permet de dépoisonner l'hôpital est bienvenu. Vous proposez quelque chose qui tisse un lien avec l'extérieur, qui dépoisonne, qui fait rêver, qui fait planer, qui fait s'envoler. Ça ne peut être que bénéfique. C'est ludique, mais c'est cadré. C'est pas gnangnan, c'est pas réducteur, au contraire, ça porte et ça élève, c'est tout ce qu'il faut aux gamins qui sont suivis ici. L'usage justement de ces kits éducatifs vont leur permettre justement de passer le temps et justement de se détendre et de se sentir, de s'épanouir hein, durant l'hospitalisation. Ça répond parfaitement aux besoins des enfants parce que de toute façon, ça rompt avec l'isolement, mais c'est surtout dédramatiser l'hospitalisation et faire que ce jour, que les enfants puissent continuer à être des enfants pendant l'hospitalisation en leur apportant ce qu'ils pourraient avoir au domicile. Mais l'envol nous apporte un élément essentiel, un outil essentiel qui leur permettra justement de poursuivre, de s'épanouir hein, durant l'hospitalisation.